Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on va revenir un petit peu dans le temps. Je viens du futur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle était trop facile celle-là, j'aurais pas dû prendre cet extrait. Non. Bah oui, tu vois, mais c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Est-ce que tu sais qui peut m'empêcher de mettre les dialogues que j'ai décidés? Père. Personne. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit sur mes dialogues? C'est vachement réussi. Merci. On continue. Rappel, il y a un an, quasiment jour pour jour, je vous faisais une vidéo où je vous invitais, vous les abonnés, à venir me rejoindre en studio pour enregistrer avec moi une chanson de mon prochain album. Alors vous avez été super nombreux à me répondre, c'était vraiment très agréable. Malheureusement, un Covid-19 plus tard, eh bien, tout le monde n'a pas pu se déplacer parce que, en fait, on a quand même pu maintenir l'enregistrement qui était après le premier confinement. Mais il y avait encore des restrictions de déplacement et donc tout le monde n'a pas pu venir. Mais on a quand même fait des images de ce moment. Vous avez été, je sais pas, entre 10 et 15 quand même à venir en studio. C'était vraiment très cool. Et j'avais dit à ceux qui étaient déçus de pas venir, ne vous inquiétez pas, il y aura des suites quand même. Et j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, je vous disais, c'est le moment. Maintenant, je vous envoie un lien avec la chanson définitive. Maintenant, filmez-vous, faites les cons. Et j'ai reçu tout ça. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir avec vous, en direct, les vidéos que vous m'avez envoyées. C'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par les vidéos d'Alex Novia. Alex Novia qui est un YouTuber, un collègue à moi, qui est hypnotiseur. Il joue aussi de la musique. Il est guitariste, je crois. Dis-moi en commentaire, mais je crois que t'es guitariste, c'est bien ça, Alex. La chaîne YouTube d'Alex qui m'a gentiment envoyé des vidéos. Alors, on va regarder, on va ouvrir ça. Ah ok, donc lui il s'est mis direct sur un refrain. Il a choisi de le faire par petits bouts. Magnifique veste à du air guitar. Ça à mon avis, on va avoir du air guitar à n'en plus finir. Hein. Il y a des solos de guitare dans cette chanson, donc c'est couru d'avance, je m'y attends. On va peut-être faire un concours d'ailleurs, de air guitar. Ah le sens de l'entrée en scène, regarde, c'est là qu'on voit que c'est un showman. Comment il rentre, attends, j'adore, je la remets, comment il rentre dans l'image, quoi. C'est peut-être l'intro du clip, hein. J'adore. Genre, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe-t-il? Une chanson? Oh, mais oui, j'en suis. Ah, pour la troisième vidéo, là, on a retour de la veste en cuir. Ça, je vais prendre, c'est sûr. C'est sûr, c'est la coda, en fait, c'est la fin de la chanson. Et, tout ce genre de gens qui s'éclatent comme ça, c'est sûr et certain, je prends. Je sais pas trop comment je vais faire le clip encore. Peut-être je ferai du split screen, tu sais, quand on sépare l'écran en plusieurs. Mais ça me paraît un peu convenu, je sais pas trop. En tout cas, il faudra que ça soit hyper rythmé, ça c'est sûr. Super, merci beaucoup Alex. Merci beaucoup de ta participation. On va passer à Épices d'une. Ah bah on retrouve le air guitare, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, pour l'instant c'est 2 sur 2. Alors ce qui est marrant quand il y a du air guitar, c'est de se poser la question de est-ce que la personne qui fait du air guitar est guitariste ou pas. Là je pense que... Ah je sais pas, ça m'étonnerait. En tout cas s'il est guitariste, on laisse pas tomber une guitare comme ça, hein, normalement. Génial. Ils font les cons, c'est parfait. Ils font les cons, ah ouais c'est bien. Ils ont jeté leur guitare virtuelle, et ça peut être bien. C'est génial. Super, merci beaucoup. Merci à toute la famille, du coup. Je crois comprendre que vous y êtes mis à plusieurs. On passe à Franck. Très bon prénom. Franck qui nous a envoyé 2 vidéos et je crois voir dans la miniature qu'il est question d'un vélo d'appartement. On va regarder ça. Ah, génial, j'adore. J'adore. Le grand smile, dynamique. Je suis en train de faire mon sport sur la chanson, c'est parfait. Eh, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez sur la droite, un petit t-shirt 507 heures, merci Franck, c'est très cool. J'adore, ça c'est topissime, c'est parfait ce genre de vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre par petites touches et je vais le dispatcher sur plusieurs endroits du clip. Il y a un truc avec les toons chez Franck, je sais pas si vous revoyez, sur la droite de l'écran, il y a un poster, les toons, il a un t-shirt Stay Tuned, peut-être son groupe, peut-être il est musicien et c'est son groupe. C'est... Il s'est codé. C'est très bon. Il s'est cogné, attends, je remets. Il s'est cogné dans quoi? Je sais pas ce qu'il se cogne, mais il se fait mal en fait. J'aime bien le côté, vas-y, laisse, c'est pas grave. Mais c'est vrai, en plus, c'est parfait ce genre de truc.
Tu m'étonnes qu'il soit fatigué. Merci beaucoup Franck, c'est très cool. C'est très cool. Alors maintenant on va passer à Gilles. Alors Gilles, il m'a fait des animations. Et il m'a montré ça sur Facebook. Hein. Pour être tout à fait franc, je découvre pas. J'en ai vu quelques-uns. C'est vraiment très bon ce qu'il a fait. C'est hyper intéressant. Je vous en mets un, regardez. Des petits bonhommes. En fait, il a fait des milliards d'êtres humains. Il a fait défiler des figurines comme ça. Et tu vois, il y a des jeunes, des vieux, des gros, des minces. Il y a un peu tout le monde. C'est parfait. Il en a fait d'autres. Regarde ça, ça arrive sur le côté, tu vois. Puis c'est plongeant comme ça. C'est parfait. En fait, ce genre de petite animation, je vais les disséminer un peu partout dans le clip. Là où c'est précieux, c'est que ce genre de clip où en fait, il y a plein de vidéos qui me viennent de plein de personnes différentes. C'est forcément filmé avec une lumière différente, avec un appareil différent. Et donc, c'est assez disparate. C'est ça, le problème de ce genre de truc. Et ce genre d'animation, ça va me permettre de faire du lien dans tout ça. On va retrouver ces petits bonhommes régulièrement au fil du clip. Et c'est ça qui va faire mon lien parmi tous ces trucs qui viennent de nulle part. Et tu vois, il y a un fond vert. Donc, comme il y a un fond vert, ça veut dire que, exactement comme là, tu vois, là, il y a un fond vert. Vous le voyez pas, mais regarde. Tu vois, là, c'est un fond vert. Et si je fais ça? Tac. Alors moi il m'épate. C'est ce qu'on appelle une incrustation vidéo, vous connaissez ça parce que c'est la base de la météo, tous ces programmes-là. Et là, comme il y a un fond vert, je vais pouvoir incruster ces bonhommes dans le clip. Merci beaucoup Gilles. On passe à la personne suivante, alors du coup, on a qui après? On a les coffeurs, alors. Tu le diras en commentaire, Monica, mais je pense pas me tromper, vous étiez dans les 50 premiers abonnés de 507 heures. Donc on est dans du fidèle, là. Ah, elles ont fait ce qu'on appelle de la caméra subjective, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que la caméra filme le miroir qui les réfléchit. Alors, du coup, je me demande si je vais pas faire comme dans plein de films, hein. Ça, je suis pas moi qui invente, c'est un truc classique, mais peut-être que je zoomerai sur le miroir et je ferai un zoom arrière et on découvrira qu'en fait ce qu'on voyait comme image c'était le reflet d'un miroir. Ça peut être sympa, c'est vu et revu, hein. Je sais pas si je le ferai, c'est trop cool. On a fini là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elles prennent toutes, elles se lavent les dents elles se lavent les dents, c'est trop bon. Et du coup la brosse à dents qui devient un micro, c'est trop bien. Mais oui, je le savais que c'était une famille de déjantés, hein. Mais on en a la confirmation. Merci beaucoup. Merci la famille Coffer. Vidéo suivante. On passe à Laurie. Laurie, qu'est-ce qu'elle nous a envoyé? Ah mais Laurie, elle joue la chanson carrément. Génial. Attends, mais elle a un capot. Mais oui, elle a un capot. Comment ça se fait qu'elle a un capot? Ah! Elle le joue en position de ré. Ré sol. Ah mais je joue pas comme ça Laurie moi, je joue capot, je mets pas de capot. Attends, je vais regarder. Mais oui. Normalement c'est, enfin normalement, y a pas de normalement, hein. Moi je le joue capot zéro et les accords c'est mi ré là, avec un si au milieu. Ah ça c'est parfait hein, c'est super. Alors le seul petit hic, c'est que je vois qu'elle a pas d'oreillette et j'entends pas de playback. Donc je risque d'avoir un problème de calage. Donc je la mettrai par petites touches pour qu'on sente pas qu'elle se décale. C'est très cool. Merci beaucoup Laurie. Alors là on passe à Marilyn. Qui tape dans leurs mains. Eh, hey, elle chante pas mal Marilyn. Qu'est-ce qui nous... T'as vu ça? La, 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 c'est parfait. La, la, c'est super. La, 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 vous êtes des fous. Deuxième vidéo, mais qu'est-ce qu'elle a dans les... Ah mais elle fait du tricot. Oh génial, j'adore. Et elle va faire toute la vidéo en tricot. Eh mais je veux que tu me tricotes un pull, hein. Je veux un pull 507 heures, Marilyn. Je sais pas tricoter, moi. J'essaye de comprendre, en fait. Ouais, il y a une histoire de faut passer par-dessous, par-dessus, là, visiblement. Oh là là, elle a fait un truc, là. Elle est passée par-dessus avec les mains. Ah, j'ai rien compris. Par contre, c'est le bordel, Marilyn, là. Regarde tous les... On dirait des câbles de musiciens, tes plots. Oh là là, le bordel. Oh, le bordel de fil. Ah, je retire ce que je disais, je veux pas de pull. Si c'est pour avoir des nœuds partout, c'est non. Trêve de plaisanterie, merci beaucoup Marilyn, c'est très cool, évidemment je vais me servir de tout ça. Alors vidéo suivante, là c'est carrément une asso qui m'a envoyé des vidéos.
toute l'équipe de Muse en scène qui m'a envoyé ça. Ils m'en ont envoyé 6 des vidéos, donc on va peut-être pas se taper tout. On va regarder. Hein. Ils vont se casser la gueule. Ça serait tellement bon qu'ils tombent. Ah oui, ce plan est parfait avec les grattes. Oui, mais oui, là je vais zoomer là-dessus. Ah, bah regarde, ils le zooment, ils le font eux-mêmes. Parfait. J'ai pas bu. Et heureusement, les filles, que je mets pas le son, moi. Ouais, c'est trop bien, ça, c'est parfait. Je vais prendre ces moments-là. Mais oui, quand il lève le manche, là, c'est génial. J'adore. Ah, ils ont prévu un truc. Ils ont prévu un truc parce que ça se voit, ils attendent un signal, quelque chose, là. Attention. Tiens, tu vois, ils ont prévu un truc. Ah, génial, ils avaient prévu une choré, c'est trop bien. Alors, la suite, nous avons Olivier et Hélène. Oh là, ça sent la... Genre la vidéo où ils n'ont pas fait exprès, ils filmaient et la caméra est restée branchée à tous les coups. Parce que là, je vois pas le... Ah, ils arrivent. Ah, j'adore. Attends, je le remets. Ah, ils étaient derrière le mur, mais c'est parfait, ça. Parfait, en plus, ils tapent en rythme, ils tapent sur le 2 et le 4, et ça, c'est beau, ça, messieurs, dames. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les participants. C'est vraiment parfait. J'ai, en mêlant tout ce que vous m'avez envoyé, plus les images du studio de l'époque, je pense que j'ai la matière, malgré tout, même si j'ai la matière, et que vous avez vu cette vidéo, et que vous vous dites, mais attends, mais moi aussi, je veux en être. Il n'est pas trop tard. Je vous mets ici l'adresse à laquelle vous pouvez m'écrire si vous vous êtes intéressé. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à repartir. Oui, je sais, je comprends. C'est dur de quitter cette chaîne. Et tu sais quoi? Tu t'abonnes et t'actives la cloche. Comme ça, tu pars et puis tu reviens après quand tu veux. D'accord. Faisons comme ça. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo de 507 heures. Ciao.